Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo trucs et astuces. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur les différents types de rubans et cordons que nous avons dans la gamme ASA. Donc il y a tout d'abord les rubans Crograte, qui se présentent en deux largeurs différentes. On a du 1,5 cm de large et du 3,8 cm de large, donc beaucoup plus grand mais très très chouette à utiliser pour agrémenter vos réalisations aussi. Ensuite, on a du ruban satin et on a du cordon en coton ciré. Alors, comme d'habitude, je vous ai préparé différentes petites scénettes pour vous montrer tout ce que vous allez pouvoir faire, ou du moins, en tout cas, vous donner plein de pistes différentes. J'ai d'ailleurs repris pas mal de choses que je vous avais déjà présentées auparavant, mais comme ça, vous avez vraiment un beau panel de choses que vous allez pouvoir réaliser avec ces produits. Alors, dans un premier temps, n'hésitez pas à associer vos rubans avec d'autres produits de la gamme de façon à jouer avec les matières et les textures. Donc ici, vous voyez par exemple sur cette petite scénette qu'on a travaillé avec du ruban satin et qu'on l'a placé juste à côté d'un ruban adhésif pailleté. Donc là, on joue vraiment avec les textures et les matières et de façon très, très facile. Donc ça, c'est vraiment une petite scénette toute ça. Eh bien, on va pouvoir déjà avoir un résultat très, très satisfaisant. Alors ici, une autre proposition. Donc là, on a travaillé en base un ruban gros grain. Et par-dessus, on est venu coller, alors non pas un autre ruban, mais c'est une languette qui a été découpée dans une chute de page. Donc là, c'est aussi quelque chose de tout à fait envisageable, de superposer, que ce soit ici une chute de page, mais ça peut être aussi un papier uni, un papier imprimé, un papier que vous avez décoré d'une façon ou d'une autre. Voilà, le tout, c'est de jouer avec des largeurs différentes de façon à ce qu'on puisse toujours voir par-dessous le ruban gros grain ici en l'occurrence. Alors après, ceci, ce n'est qu'une base de votre décor, puisqu'après, vous allez pouvoir venir y superposer. Donc ici, on a travaillé avec une figurine bois et puis une figurine silhouette décorée par au-dessus. Donc voilà, ça, ce sont des choses que vous pouvez ajouter par la suite, mais c'est déjà une bonne base pour éventuellement un décor. Voilà. Alors ici, toujours, pour continuer sur cette idée d'agrémenter, de travailler avec des figurines bois, eh bien ici, on a travaillé la figurine bois et on l'a placé en relief sur des mousses 3D, ce qui permet de venir placer un cordon en coton ciré et de le nouer facilement. Si la figurine est collée à plat, automatiquement c'est un peu plus compliqué puisque le cordon en coton ciré est plus épais. Mais ici, eh bien, avec le relief de la mousse 3D, on peut très facilement venir y accrocher le cordon en coton ciré qui va apporter une petite touche originale pour clore éventuellement votre mise en scène de la scène. Pareil ici, c'est vraiment un tout petit élément qui va venir terminer votre scénette. Alors ici, ce n'est pas du gros grain. Il existe aussi du ruban en coton et en lin. Donc là, c'est aussi une matière un petit peu différente, mais qui a déjà tout son petit effet de par la matière et qui va pouvoir de nouveau, en toute simplicité. Donc ici, on a simplement plié. Si je le tiens sur le côté, vous le verrez mieux. On a tout simplement plié le ruban en deux. On l'a glissé sur la scénette qui, elle, n'est même pas placée en relief sur des mousses 3D. Ah, vous pouvez la coller, mais à ce moment-là, il faudra vraiment la coller, la maintenir un peu plus fortement. Et puis, on peut, voilà, par exemple, venir replacer une petite perle par-dessus pour venir éventuellement rappeler une petite touche de couleur présente sur la scénette. Ça, c'est aussi une possibilité. Alors, ici, sur ces deux scénettes-ci, qu'est-ce qu'on a voulu vous démontrer? Eh bien, tout simplement, que vous allez pouvoir aussi cranter un élément de façon à pouvoir venir passer, que ce soit ici, le ruban en satin ou ici, le cordon en coton ciré, pouvoir venir l'introduire sans le nouer, le coller simplement. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire un petit cran avec un cutter pour pouvoir venir intégrer, passer le ruban et que ce ruban ne soit pas du tout plié. Donc je m'approche un petit peu plus pour le voir un petit peu plus facilement. Donc voilà, ça c'est aussi une possibilité. Et alors, eh bien, vous fixez correctement le ruban de part et d'autre. Là, vous pouvez utiliser
bien entendu différents types de colle. Maintenant, en utilisant de l'adhésif double face, là, vous aurez vraiment une fixation qui sera beaucoup plus, c'est beaucoup plus, ça a beaucoup plus d'impact que si vous utilisez du roulant-collant classique. Vous pouvez aussi utiliser de la taquiglue, de la colle à prise rapide, de la colle liquide à prise rapide. Maintenant, voilà, l'adhésif double face et colle beaucoup plus vite quand même et très pratique à ce niveau-ci aussi. Ici, pareil. Donc là, fatalement, on est sur du ruban gros grade, donc il va falloir faire un cran beaucoup plus grand, mais le principe est le même. Donc ici, on a cranté non seulement la sénette, mais aussi le papier avec lequel on a doublé la sénette, de façon à placer le ruban. Si je le mets sur le côté, on le voit mieux. Voilà, qui vient terminer. Vous pouvez remarquer que sur toutes les sénettes, le ruban, c'est vraiment la petite touche finale qui va venir agrémenter le décor en venant apporter une matière différente, un petit peu de relief, et qui va venir, voilà, apporter une petite touche festive à l'ensemble. Alors, ici, on va passer sur le ruban qui est plus large. Donc, c'est toujours le ruban gros gras, pardon, mais qui fait presque 4 cm de large, donc qui va avoir beaucoup plus d'impact sur votre création, mais qui peut être tout à fait très très sympa aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué les superpositions aussi, on a travaillé avec du ruban satin, et puis on est venu replacer je vais y arriver. Je l'ai sur le bout de la langue, mais ça va venir. Du ruban pailleté adhésif, voilà, j'y suis. Qu'on a recoupé au niveau de la largeur pour qu'il soit vraiment tout fin et qu'on a superposé sur le reste. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Alors bien entendu, là on est sur une base de décor sur laquelle on va venir encore apposer un petit quelque chose. Mais voilà, on a déjà un bel impact au niveau du fond du décor. Alors, hors sénette, je vous ai préparé ici une autre petite astuce. Donc ici, on a du ruban gros gras qui a été encollé avec de la taquiglue. Donc en réalité, on a fini vraiment déposer de la taquiglue, pardon, sur l'ensemble ici du ruban de façon à le rigidifier dans un premier temps, mais aussi de façon à pouvoir venir le couper de façon bien nette sans qu'il ne s'effiloche. Vous pouvez le couper de façon droite, simplement avec votre paire de ciseaux, mais vous pouvez aussi venir le couper en biseau. C'est tout à fait possible aussi. Et vous allez même pouvoir le percer avec un outil perforateur pour, par exemple, y placer une perle de résine, par exemple. Et donc, vu que je vous disais au départ que on pouvait, une des astuces en utilisant de la taquiglue, c'était de le rigidifier, eh bien c'était tout simplement aussi pour pouvoir le travailler en relief sur des mousses 3D. Donc à ce moment-là, il est aussi rigide qu'un papier. Donc la taquiglue, colle liquide, vous pouvez venir l'appliquer simplement avec votre doigt pour vraiment l'appliquer sur l'ensemble du ruban, mais vous allez aussi pouvoir l'appliquer avec un pinceau si vous préférez. Le tout est d'enduire vraiment le coton, le ruban, pardon, dans sa totalité de façon à pouvoir venir réaliser les découpes bien nettes, que ce soit au niveau des extrémités ou bien entendu pour réaliser une perforation telle que celle-ci. Voilà, une petite parenthèse avec une astuce en plus. Alors, quand je vous parlais de touche finale, et eh bien ici, c'est le cas pour ces trois sénettes-ci. Donc ici, on est venu placer le cordon en coton ciré sur la figurine en bois. Donc la figurine en bois est relativement épaisse dans ce cas-ci, mais ça n'empêche pas, vous pouvez très bien venir passez votre cordon comme ceci sans aucun problème. N'oubliez pas bien entendu de bien fixer votre figurine, mais aussi de bien fixer le cordon pour ne pas qu'il bouge. Alors là, pareil, vous pouvez utiliser de la taquiglue, vous pouvez aussi utiliser une pastille de colle adhésive ou bien du ruban adhésif double face, ça fonctionne aussi. Ici, la petite astuce au niveau de l'effilochage.
du cordon, vous pouvez utiliser une pointe de piquage. Et là, vous allez simplement venir avec la pointe de piquage effilocher l'extrémité des deux bouts du cordon de façon à avoir quelque chose d'un peu plus présent parce que, évidemment, une fois effiloché, le cordon va s'épaissir au niveau de la largeur. Donc, c'est aussi quelque chose de très sympa. Vous pouvez le faire avec une certaine profondeur, comme ceci, mais vous pouvez le faire aussi de façon un petit peu moins profonde, comme je l'ai fait ici, sur cette figurine qui a été découpée avec une matrice de découpe et qui a été dorée par la même action. Matrice qui découpe et qui dort à la fois. Et ici, donc, vous voyez que la figurine, le motif est déjà découpé sur une petite partie à l'intérieur. Donc, on en a profité pour venir accrocher le cordon. Voilà. Alors, sur cette réalisation-ci, donc, on a un tampon qui a été complètement détouré, qui a été coloré avec de l'encre d'icing en spray. Et là, le motif n'est pas percé au départ, mais on est venu faire deux petites perforations de façon à y passer le cordon en coton ciré. On l'a noué. On est venu placer un point de colle ici au niveau du nœud. Donc là, vous utilisez la tapis de glue à prise rapide. Donc là, il faut quand même laisser un petit moment le temps que la colle prenne. Mais une fois que c'est pris, ça ne bougera plus. Ensuite, vous venez ajuster la longueur du cordon. Ici, on est venu l'ajuster plus ou moins à la fin du motif, à la fin du détourage du motif. Et puis, on vient effilocher le cordon. Alors, vous pouvez, même s'il est déjà effiloché, si vous trouvez qu'il est encore trop long, il est toujours possible, une fois qu'il est effiloché, de venir le recouper un petit peu plus court. Ça fonctionnera tout aussi bien. Vous le faites avant, après, ou bien les deux, en fonction de l'effet que vous désirez apporter. Voilà, encore des possibilités. Alors, vous allez pouvoir aussi, bien entendu, travailler avec plusieurs cordons si vous le voulez. Ici, on est venu travailler en le passant dans une figurine qui a été découpée avec une matrice de découpe. On trouvait que un seul brin, ce n'était pas suffisant, donc on est venu en passer deux. C'est tout à fait possible, c'est exactement le même principe. Au niveau du collage, au niveau de l'effilochage, c'est exactement la même chose que si vous n'en placiez qu'un. Il y a juste que c'est un peu plus imposant. Donc surtout, on n'oublie pas de bien fixer de façon à ce que ça ne bouge plus une fois que le décor est réalisé. Alors ici, on est venu simplement nouer à deux brins différents. Donc là, c'est aussi le même principe. On fait un nœud, on refait un nœud supplémentaire, on effiloche si on en a envie et le tour est joué. C'est exactement le même principe, mais à vous de voir si bien vous avez, si un bras vous suffit ou si vous avez envie, comme ici, de partir dans des directions différentes. Et automatiquement, à ce moment-là, en multipliant les bras, vous allez avoir un dynamisme différent au niveau de votre décor aussi. Voilà. Alors ici, autre petite astuce, on a travaillé avec du washi tape. Donc on est venu placer du washi tape sur toute la hauteur de la forme. Et puis, on est venu isoler un motif du washi tape, le placer en 3D. Et donc, par-dessous, on est venu coincer un brin de cordon en coton ciré. Alors, quand vous travaillez comme ça, la façon la plus facile de procéder, c'est de d'abord coller votre bras par-dessous la sémette, de placer des mousses 3D aux quatre coins et puis de venir coller le tout sur le papier. Donc comme ça, vous avez vraiment une bonne fixation du cordon et une fois que vous venez placer votre sémette, eh bien vous avez tous les éléments en main, aussi bien le positionnement du cordon que le positionnement de votre petit rectangle, de façon à ce que tout se place bien correctement. Voilà, encore un petit exemple. Alors ici, la petite astuce, elle se trouve à ce niveau-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Eh bien, on a simplement maintenu les bras. Alors ici, ce n'est pas du cordon ciré, c'est de la jute naturelle. Et on est venu maintenir, en fait, les bras avec du ruban adhésif pailleté. Donc là, c'est vraiment pas compliqué non plus. Il suffit de bien maintenir les bras entre eux. Alors, si vous voulez vraiment assurer un bon maintien pour ne pas devoir trop chipoter pour pouvoir mettre le ruban adhésif,
Avant de placer le ruban adhésif, placez du ruban adhésif double face. Comme ça, vous avez vraiment les bras, les deux morceaux de jute qui se maintiennent bien ensemble. Et ensuite, vous venez replacer l'adhésif double face, le ruban adhésif pailleté, pardon. Et donc, vous avez vraiment un bon maintien de l'ensemble et vous pourrez travailler avec plus d'aisance. En tout cas, moi personnellement, c'est comme ça que je travaille. Alors, on repasse sur deux petites scénettes où on a utilisé du cordon en coton ciré de façon à venir ici travailler une ligne toute fine. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord travaillé de part et d'autre de la craie pour délimiter une zone ici au milieu. On a placé un sticker par-dessous et par après, on a placé le cordon en coton ciré et puis la petite la petite perle de résine par-dessus. Donc là, vu l'épaisseur du cordon, je vous conseille vraiment de placer soit une pastille de colle adhésive en dessous de la perle, soit de la colle à prise rapide pour vraiment obtenir un maintien bien solide de la perle sur l'ensemble. Et alors ici, pour l'autre possibilité, eh bien, on a placé en base du ruban satin et par la suite, on est venu placer les deux figurines ici et puis, donc, on a travaillé avec des paillettes et on a travaillé avec du bois pour vraiment avoir plein de matières différentes et puis, on est venu par-dessus surplomber le cordon en coton ciré. Donc là aussi, assurez bien un maintien optimal de façon à ce que rien ne bouge et que tout garde bien son endroit de fixation initialement prévu. Voilà, encore une possibilité. Alors, n'oubliez pas aussi que vous pouvez venir ajouter des paillettes. Donc ici, on a travaillé avec de la peinture pailletée. Donc là, on peut la travailler bien, aussi bien en dehors du ruban que sur le ruban pour qu'il y ait une continuité entre les différents éléments du décor, mais vous pouvez aussi décider de ne placer les paillettes que sur le ruban. Et ici, bah, on a travaillé du foil sur le pourtour, donc automatiquement, on a cet effet pailleté qui est présent un petit peu partout, mais sous différentes formes. Donc là, on a du foil et ici, on a les paillettes. Donc là, c'est encore une possibilité différente de travailler. Alors, encore trois petites scénettes où là on a travaillé la verticalité et on se sert ici un petit peu du ruban pour venir faire le lien entre les différents éléments de décor. Je m'explique. Ici, donc on a une zone qui a été travaillée de part et d'autre avec un gabarit texture et on a ici cette zone qui est restée plus vide. On a placé la scénette par-dessus le tout et on a ce ruban qui vient en fait faire un petit peu le lien entre les différents éléments de décor. Donc voilà une façon, sympa de venir travailler. Ici, bien entendu, on a travaillé de part et d'autre d'un papier collant repositionnable, pardon. Donc automatiquement, on a un bel espace au centre duquel vient vraiment bien se placer. Et donc ici, le ruban trouve vraiment une belle place pour pouvoir venir faire le lien entre ces différentes choses. Ici aussi, on a une base qui a été travaillée avec les encres d'Izink. On a un autre papier qui a été gaufré. Entre les deux, un papier de couleur unie. Et on a cette couleur unie qui est représentée de nouveau, mais avec une matière différente qui est le ruban. Donc là aussi, il y a tout à fait moyen de venir rajouter encore un petit décor par-dessus. Mais on a vraiment ce lien qui est effectué entre les différents décors grâce au ruban. Et dernier petit exemple, toujours dans le même esprit. Donc là, on a les différents papiers qui ont été superposés, le ruban qui vient faire le lien entre tout, le lien entre les couleurs aussi. Et puis, rien ne vous empêche de recoller par-dessus. Donc ici, c'est une figurine découpée avec une matrice et une big shot, mais aussi un sticker. Voilà, pourquoi pas. Donc là aussi, de nouveau, on jongle avec les matières, les textures pour venir apporter du dynamisme à l'ensemble de la réalisation.
Alors ici, on est chaque fois sur du scrap, mais on peut bien entendu aussi utiliser ces cordons sur de la déco. Donc ici, on est sur une boule en MDF que je vous ai déjà présentée ici auparavant, mais je trouvais ça intéressant de venir vous remontrer ceci. N'oubliez pas ici que on a vraiment ce poids-ci qui va vraiment venir nous servir de fixation. Donc il est important que là au-dessus, soit vous travaillez avec de nouveau une pastille de colle adhésive, voire moi ici j'ai placé de la tachyglue. Donc là aussi, on place la tachyglue, on attend un petit peu en maintenant bien les choses en place que ça prenne légèrement. On attend, on peut retirer bien entendu ses doigts, faire quelque chose en attendant, d'autres par rapport au décor, mais on n'y touche plus trop, on laisse bien prendre et puis après, une fois que c'est fixé, ça tient super bien et voilà, on est vraiment sur quelque chose de solide. Alors, je vous montre quelques réalisations finies pour clôturer le tout. Donc ici, vous voyez qu'on a le tampon qui a été détouré, placé en relief sur des mousses 3D. Et là, vous avez la superposition de rubans qui, en réalité, va vraiment tout simplement achever votre décor, venir lui donner comme un petit point de fixation, une petite touche finale, comme je l'ai déjà dit auparavant, de façon à donner la petite touche finale sur votre réalisation. Une autre réalisation finie où là, je trouvais intéressant de vous montrer que vous pouvez aussi imprimer sur le ruban comme ceci. Donc là, on a simplement une petite phrase. Alors, normalement, c'est bien. Ça, voilà, c'est parce que là, il fallait une petite mise au point. Donc, voilà. Donc, imprimer, n'hésitez pas à le faire aussi. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la tachyglue pour ne pas que le ruban s'effiloche, mais c'est aussi très, très joli quand le ruban s'effiloche, justement. Donc, pensez à l'effilocher. Ici, pareil, utilisez une pointe de piquage pour réaliser ceci. Par contre, si vous le réalisez une fois que c'est collé sur votre réalisation, placez bien par-dessous un petit papier de brouillon pour ne pas abîmer votre photo. Sinon, vous pouvez le faire aussi avant le collage. Et alors, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. Vous travaillez sur votre plaque média et tout sera bien protégé. Alors, on va terminer cette petite vidéo par un projet que je vous ai aussi présenté. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que les rubans, les cordons, etc. peuvent aussi être un peu un fil conducteur dans votre décor. Donc ici, on l'a utilisé sur la page, sur la couverture. Donc ici, de nouveau, le ruban fait le lien entre les différents éléments de décor, apporte aussi un petit coup d'éclat, une petite touche de lumière avec ce blanc un peu éclatant. Mais alors, on va aussi le retrouver à l'intérieur sous différentes formes. Donc ici, bien entendu, donc ça, c'est le petit album accordéon avec le décor qui se répète. Donc on l'a ici à ce niveau-ci de nouveau qui fait juste office de décor, mais on l'a ici aussi au niveau de la petite photo qui vient se retirer hors de la pochette. Donc là, on l'a fixé tout simplement pour pouvoir prendre facilement la photo et la replacer, mais ça fait bien entendu aussi écho au décor. Donc voilà, c'est aussi une chouette façon de faire. Pareil à l'arrière, on n'est pas obligé de décorer la face arrière, mais si on veut faire le rappel de ce ruban qui va vraiment faire le tour de l'album, eh bien, ça peut être très sympa. Et donc, de l'autre côté, eh bien, je peux vous montrer aussi, mais le décor est répétitif dans tout l'album, donc ça reste exactement la même chose. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que voilà, ce ne sont pas des choses nouvelles, ce sont des choses qu'on utilise fréquemment, mais j'espère avoir vraiment essayé de faire le tour pour vous donner un maximum de pistes à explorer sur vos créations, ou du moins ça aura peut-être remémoré une chose ou l'autre que vous n'avez plus fait depuis longtemps et que vous aurez envie de replacer sur vos créations du moment. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment créatif en ma compagnie et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.